plaisir de présenter donc cette séquence maintenant pour la publication de la biographie de Vassili Grossman, écrite par Myriam Anisimov. Elle est accompagnée donc et sera développée par Christine Mestre, directrice du prix de la russophonie, et les accompagne également Françoise Lavaille, traductrice de russe et spécialiste de cinéma et de littérature russe. Merci. Bien, écoutez, merci d'être venus si nombreux pour cette session de cette rencontre avec Myriam Anisimov. Vous connaissez sans doute Myriam Anisimov, mais peut-être pas dans tous les détails de sa biographie, ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais il faut savoir que Myriam a commencé sa carrière comme photographe, comme chanteuse, et déjà elle avait beaucoup de talent, j'imagine, car elle a été récompensée par le prix de l'Académie Charles Cros. On sait qu'en France, c'est un prix qui récompense les grands. Ensuite, vous avez été journaliste, vous avez collaboré à pas mal de journaux, et vous avez également participé à la création d'Actuel. J'ai été comédienne. Vous avez aussi été comédienne. Et puis ensuite, vous êtes tournée vers les lettres, vous êtes devenue romancière. Simultanément. Vous avez écrit une dizaine de romans, dont plusieurs ont été récompensés par des prix, dont notamment un roman qui s'appelle Sa Majesté la Mort, qui a été publié aux éditions du Seuil, qui a reçu le prix Jean Frostier et le prix de la Fondation Anaïs Segala de l'Académie française. Vous avez également écrit quelques romans pour enfants. Enfin, on le comprend, Myriam Anisimov est une touche-à-tout de talent, puisqu'elle réussit également les très belles biographies qu'elle a commencé à écrire il y a quelques années, avec tout d'abord une biographie de Primo Levi ou La tragédie d'un optimiste chez Lattès, et puis ensuite deux biographies, ou une biographie en deux volets peut-être, ou deux volets d'une biographie dépendant d'une vie, Romain Gary, le caméléon chez Julliard, et Romain Gary, l'enchanteur chez Textuel. Voilà. Et en 2012 est arrivée cette énorme biographie consacrée à un écrivain russe fondamental, enfin soviétique on va dire, Vassili Grossman, qui a pour sous-titre Un écrivain de combat et publié aux éditions du Seuil. Je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour parler de cette biographie monumentale qui ressemble à une thèse et se lit comme un roman néanmoins. Alors, première question, Myriam Anisimov, pourquoi une biographie de Vassili Grossman? Pour montrer l'évolution d'un homme, la genèse d'une œuvre, bien pour aussi étayer un combat? Ben, rien de tout ça. Au départ, c'est un peu lié à la fois à Primo Levi et à Romain Gary, ce sont trois écrivains juifs, à peu près la même génération, qui ont tous les trois, d'une manière ou d'une autre, été affectés dans leur famille par la Shoah, par l'extermination des Juifs. Et il se trouve que quand j'ai publié mes romans chez Julliard, Bernard de Fallois, qui travaillait avec l'âge d'homme, avait publié et Primo Levi et Vassili Grossman. Et il m'avait remis ses livres et je les ai lus très tardivement. Et j'ai été très intéressée de voir, de découvrir vraiment tardivement. J'ai commencé par pour une juste cause et La Route. Les deux volumes étaient parus à peu près au même moment. Et le cheminement, enfin le mûrissement de tout ça, ça a été extrêmement long. Et franchement, je ne pensais pas écrire une biographie de Vassili Grossman jusqu'au moment où j'ai lu Vie et Destin. Et je dois dire que je n'avais jamais lu un livre de cette ampleur, un livre aussi extraordinaire que ça. Et j'ai pensé écrire cette biographie, mais comme je ne suis pas russophone, je trouvais que c'était quand même un défi important. Et je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Et comme j'avais déjà collaboré avec Françoise Lavaille pour Romain Gary, elle m'avait donné des documents absolument indispensables sur la vraie généalogie de Romain Gary. C'est la spécialiste
d'Ivan Mojoukine, et donc on avait travaillé ensemble de façon formidable, et donc je lui ai demandé si elle serait partante pour être en quelque sorte mon mentor et, dans cette affaire-là, et donc on a travaillé ensemble pendant 5 ans sur ce projet. Voilà comment il est né. Et après je l'ai proposé à des éditeurs, et c'était pas si évident, je croyais qu'on allait m'accueillir à bras ouverts, avec Vassily Grossman, enfin, je pensais que c'était... Et chez Flammarion, Teresa Crémisi, qui avait publié chez Gallimard ma biographie de Gary, m'a d'abord dit « c'est une idée géniale », puis après elle m'a fait téléphoner en me disant « 10 000 exemplaires ne nous intéressent pas ». Et donc, je dois remercier ici René Tsekati, qui a déjà été mon directeur littéraire au Seuil, qui s'est battu vraiment beaucoup pour arriver à convaincre à l'époque, la direction de l'époque, d'accepter ce projet, qui ne leur disait pas grand-chose à la vérité. Sans René Tsekati, il n'y aurait pas eu de biographie de Vassily Grossman. Enfin, c'est la deuxième, hein. Il y en a une aux États-Unis, pour en parler. Oui. Est-ce qu'au départ, vous aviez imaginé que le travail prendrait une telle ampleur et qu'il vous conduirait à conduire une enquête à travers plusieurs pays, en fait ? Mais oui, je pensais que c'était même... Je me demandais si ce n'était pas au-dessus de mes forces. Et il y avait des choses quand même, j'avais quand même des choses pour moi, si je puis dire, c'est que je connaissais très très bien l'histoire du Livre Noir, et je connaissais très bien l'histoire du comité juif antifasciste, parce que ça faisait quasiment partie de mon existence. Mon père était un écrivain yiddish, et quand les écrivains yiddish ont été fusillés en 1952, à cette époque-là, mes parents étaient très politisés, la disparition des écrivains de langue yiddish en Union soviétique, c'est quelque chose que j'ai entendu tous les jours, parce qu'on se demandait où ils étaient passés, et mes parents lisaient la presse communiste, alors ils lisaient, par exemple, les propos des Renegourdes qui disaient qu'ils étaient bien là où ils se trouvaient, très énigmatique. Donc en fait, je pensais que, avec ce que je savais sur l'extermination des Juifs, après avoir écrit la biographie de Primo Levi, et puis c'est aussi l'histoire de ma famille qui a disparu pratiquement complètement à Treblinka et à Auschwitz, je pensais que déjà il y a une partie des choses qui étaient sinon acquises, du moins faciles d'accès. Néanmoins, vous avez dû mener des enquêtes sur le terrain. Et vous avez dû sans doute rencontrer pas mal de difficultés pour mener ces enquêtes sur le terrain. Je vois que Françoise Navaille opine du chef. On est partis toutes les deux. On a commencé nos recherches. Donc nous sommes partis à Kiev, où Aïcha Kherouvi, qui est, je crois, dans la salle, nous a ouvert la porte des archives de Jytomyr, qui est toute proche de Berdichev, où est née la maman. Oh non, elle n'est pas née là, où elle a vécu. Où Grossman est né en décembre 1905, et ça a été assez rocambolesque. Je peux vous raconter que nous sommes arrivés, donc annoncés par Aïcha, après un long voyage en taxi, avec un deuxième taxi, parce que c'était un bâtiment improbable au milieu d'un terrain vague, tout bancal, enfin vraiment soviétique, et là on a d'abord été chez le directeur. Enfin, pour les gens qui connaissent l'Union soviétique, c'est pas très folklorique ce que je raconte, ils connaissent. Mais pour moi, c'était tout nouveau de trouver un énorme directeur de 100 kilos dans une pièce de 10 mètres carrés avec une armoire à glace, comme dans une chambre à coucher, des fils électriques qui pendaient partout. Enfin, c'était très étonnant. Et donc, on nous a fait ensuite poireauter une bonne heure dans le froid le plus glacial dans la salle des archives. Et au bout d'un moment, un monsieur est arrivé qui nous a dit qu'il avait écrit des choses très intéressantes sur Berdichev, et j'ai compris tout de suite qu'il fallait acheter ça pour avoir le reste. Donc je lui ai demandé Françoise a demandé combien il voulait pour sa petite plaquette. Et puis je lui ai dit que c'était bien entendu d'accord. Et il est donc remonté une demi-heure plus tard avec une pièce d'archives étonnante à laquelle je ne m'attendais pas, qui est le dossier de l'oncle maternel de Vassily Grossman, David Cherensis, qui a donc été arrêté pendant les grandes purges de 1938, qui a été jugé très rapide, enfin après quelques semaines en prison, et qui a été fusillé quelques heures après le verdict.
Et il y avait les interrogatoires, il y avait tout le détail de l'arrestation et l'ordre de le fusiller. Avec simplement, c'était quand même étonnant, ils nous ont dit « Ah, vous ne pouvez pas photographier certaines pages parce qu'il y a les noms des délateurs et les familles vivent toujours ici. » Donc ils ont mis des scotch pour qu'on ne puisse pas regarder. Ce sont des documents que vous reproduisez ici, il y a plusieurs documents de ce type que moi je trouve toujours très, très, très émouvant parce que j'ai dû moi-même en apporter de Russie en France à une certaine époque où on vous donne le résumé de la vie d'une personne en disant « Voilà, c'est un petit bout de papier comme ça. » En telle année, il a été arrêté et justement condamné. Et en 1956, il a été réhabilité, mais en fait, il avait été fusillé. Et la vie de la personne se résume. Il y a ces documents-là. C'était miraculeux de tomber là-dessus. On les a marchandés, enfin Françoise les a marchandés parce qu'on était partis, enfin j'étais partie avec des espèces. Je savais qu'en Russie, il fallait payer, donc, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils montent si haut dès le départ. Et donc, on a marchandé avec ce qu'on avait dans le portefeuille. Finalement, enfin, ils se sont partagés entre les dames qui photocopiaient, la comptable. Et donc, on a pu emporter ce document vers 2h de l'après-midi. On était arrivé à 9h du matin. Et vers 2h de l'après-midi, enfin, on nous a bien fait comprendre combien c'était une chose extraordinaire de nous donner ces 40 pages, en somme, c'est des archives du NKVD. C'est extraordinaire qu'elles n'aient pas été détruites et qu'elles aient subsisté. Hein. On conserve tout très très bien. Non, mais il y a de la guerre. La guerre et... Oui, c'est vrai. C'était aussi miraculeux que je retrouve toutes les archives de Romain Gary, toute la généalogie familiale, l'acte de naissance et tout l'acte de naissance de tous les membres de sa famille à Vilno, alors que les nazis détruisaient tout. Donc là, j'ai eu deux fois de la chance de tomber sur des papiers. Enfin, je sais que les Russes ne les avaient pas, les gens qui ont travaillé sur Grossman n'avaient pas ce document-là. C'est un peu la chance, le hasard, et Aïcha qui a eu la bonne idée de nous faire aller à Jytomyr. Voilà, merci Aïcha. Vassili Grossman, avant de devenir un écrivain de combat, a été un écrivain assez exemplaire en Russie, adoubé par Gorky, loué par Staline et par d'autres. Comment s'est fait le basculement entre le bon écrivain, celui qui soutenait le régime et qui semblait convaincu par l'idéologie, et puis un écrivain qui ensuite pouvait quand même être en porte-à-faux avec le régime? Et bien, plus en porte-à-faux, hein, puisque ça va lui coûter quasiment sa vie. Mais c'est ça qui m'avait intéressé. J'avais lu le livre de Simon Markich sur Grossman, dans lequel il se demandait s'il était un écrivain russe, juif ou juif russe. C'est la façon dont il abordait l'identité profonde de Grossman m'a beaucoup intéressée, parce que je pensais que c'était une problématique constante chez tous les écrivains juifs, où qu'ils se trouvent, qui ont vécu dans l'émigration. Et donc Grossman, qui naît dans une famille juive d'intellectuels complètement russifiés, complètement assimilés, mais avec des grands-parents qui parlent yiddish quand même, va pendant très longtemps ne pas considérer que le fait d'être juif a une quelconque importance dans son schéma intellectuel ou psychologique. De la même manière que Primo Levi, d'ailleurs, à Turin. Hein. C'est-à-dire que c'est des familles déjudaïsées pour qui les Lumières ont effacé la tradition, ou tout du moins le pense-t-il. Et donc, Grossman, je pense que, puisque pour répondre à votre question, que ce qui a vraiment fait basculer Grossman, c'est la Shoah, bien entendu, c'est la mort de sa mère, qui a été fusillé par les Einsatzgruppen le 15 septembre 1941 à Berlitschev. C'était les premières exterminations de masse, c'est l'Einsatzgruppe C, et c'était, les Allemands sont rentrés en Ukraine, et les premières exterminations de masse par balles, puisque les chambres à gaz seront construites après avoir que les nazis aient établi un bilan et considéré qu'1,5 million de juifs tués en un an, c'est trop peu, trop lent et trop traumatisant pour les exécuteurs, pour les assassins. Donc ils ont commencé à Berditchev, et enfin dans toute la région de Berditchev. Donc la maman de Grossman est morte très 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 tôt.
Et je pense que c'est cette mort de sa mère et la disparition des Juifs qui a fait changer Grossmann, parce que comme il était correspondant de guerre et qu'il a suivi l'armée rouge qui libérait tous les territoires occupés de l'Union soviétique et qui découvrait à mesure qu'il n'y avait plus du tout de Juifs, il n'y en avait pas plus en Ukraine qu'en Pologne, que partout où il passait et qu'il n'y avait plus que des cendres. Et il est un des premiers témoins à être rentré à Treblinka et à Majdanek. Je pense que tout d'un coup, il s'est réapproprié son identité profonde, pas à travers la culture juive, pas à travers la religion qu'il ne connaissait pas, mais d'une manière négative, comme beaucoup de gens, comme moi par exemple, de tout ce qui s'est passé par la Shoah, par l'extermination. Il s'est senti solidaire de son peuple, et il y a une scène qui m'a beaucoup frappée dans Vie et Destin, c'est la scène où le petit David et la doctoresse Sophia meurent dans la chambre à gaz, et elle dit, au moment de mourir, elle voit tous ces gens nus autour d'elle, et elle dit, c'est mon peuple, je suis avec eux. Et je crois que c'est ça la voix profonde de Grossmann, et je pense que c'est cette chose qui l'a motivé, parce qu'après la guerre, il était interdit de parler des Juifs en tant que victimes en Union soviétique. C'était des citoyens soviétiques massacrés par l'envahisseur nazi. Mais il n'y avait pas... il était absolument impensable de désigner les Juifs comme victimes principales de la politique exterminatrice des Allemands. Donc je pense que c'est un moment très important qui va faire basculer, c'est pas seulement ça, mais c'est à mon avis le facteur principal qui va le faire basculer dans une vision critique de l'Union soviétique. Et c'est vrai que jusqu'à la guerre, il avait été un écrivain très conformiste. Donc c'est cette prise de conscience de sa juvénilité en quelque sorte qui forge son regard critique. Et vous parliez de la façon dont on présentait le génocide, enfin la Shoah en Union soviétique, mais il y avait aussi l'image que l'on ne voulait pas reconnaître de héros des soldats juifs. C'est-à-dire que les soldats juifs qui s'étaient courageusement battus sur le front, les soviétiques disaient très souvent qu'ils étaient poltrons, qu'ils ne se battaient pas, et on trouve ça aussi chez Babel. Alors que les juifs représentent en pourcentage le plus grand nombre de héros médaillés de l'Union soviétique, et qu'ils se sont engagés massivement et qu'ils sont morts massivement pendant les combats. Et c'est vrai qu'il était de mauvais ton de dire qu'ils étaient juifs. Mais cela dit, Staline a persécuté toutes les minorités nationales, mais il avait, je pense qu'il entretenait une haine particulière vis-à-vis des Juifs, puisque déjà il avait fait rayer deux fois, Vassili Grossman avait été sur la liste, enfin proposé pour obtenir le prix Staline, et à deux reprises, Staline a rayé son nom. Mais Arinfour, c'est une sorte de Juif de cour. Mais en même temps, moi je n'aime pas du tout l'opprobre sur Arinfour, parce que je trouve qu'il s'en est sorti très noblement dans sa situation, puisqu'il n'a jamais fait arrêter qui que ce soit, il n'a jamais dénoncé qui que ce soit, il n'a jamais signé de lettre, alors que Grossmann en a signé. C'est un des rares, Arinfour n'a jamais bien signé, parce qu'effectivement, il était très amoureux, même pour écrire à Staline au moment de l'arrestation des médecins, et où on demande à tous les intellectuels et artistes de l'Union soviétique de signer une lettre contre les médecins empoisonneurs. Grossmann va la signer, Émile Gilels va la signer, Oestrat va la signer, enfin tout le monde signe, et Rundbourg a le courage d'écrire à Staline en lui disant « c'est pas une bonne idée du tout, ça va pas nous faire de... » Enfin, elle est très habile, et il signe pas, et finalement Staline renonce à publier cette lettre honteuse dans la Pravda. Donc, Ehrenbourg est un personnage très complexe, de grand. C'est vrai que l'Union soviétique s'est servie de lui, puisqu'il a vécu 20 ans en France, plus de 20 ans, il avait une culture française parfaite, et il servait beaucoup à exporter une vision positive de l'Union soviétique. Mais en même temps, il a fait quelques concessions, mais jamais jusqu'à envoyer quelqu'un au Gibet ou au Goulag.
Françoise, vous vouliez dire quelque chose? Je sais pas, appuyez sur le truc qu'on a. Oui, c'est à propos des rameaux, il y avait une ligne de sortie qui, parlant à Rimbaud de son livre Le Dégel, disant oui, c'est le livre dernier du tout, on fait beaucoup de bruit autour de ce livre, et Rimbaud lui fait remarquer que l'héroïne est juive. Donc, Rimbaud, or Le Dégel a été publié avant la déstalinisation officielle. Donc, Rimbaud aussi a pu éventuellement glisser, c'est très. Le personnage est Rimbaud est plus complexe, oui, sûrement que celui de Grossman. Oui, mais c'est un peu le cas de tout le personnage. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu Rimbaud qui n'a pas signé. Excusez-moi, j'ai l'extraction pour le risque du métier. Et donc, il y a aussi quelqu'un qui paraît consistant et qui est très brocardé de nos jours, c'est le poète Domatowski. Qui était un ami de Grossman. Qui est considéré comme quelqu'un de hyper, hyper, hyper conformiste. Et bien, lui, non, il n'a pas signé. Voilà. Donc, le courage. Et Grossman a signé. Et c'est un des passages très importants de Vieux Destin, puisque son héros, Strunk, qui est juif, se reproche. Ce geste impardonnable, il raconte d'ailleurs d'une façon magnifique comment la voix douce et câlinante du grand oppresseur lui demande de signer, comment dans un acte de faiblesse, il signe en pleine nuit, il signe cette lettre qui est honteuse. Oui, bon, ça c'est toujours le débat enfin, qui avait été souligné par Nadia Jamandestam en disant nous étions tous coupables, les bourreaux et les victimes, parce que peu de gens s'étaient opposés. Mais c'est pas ce que dit Grossman, parce que dans Tout passe, il institue une sorte de procès contre tous les délateurs, enfin, il a les appels des Judas, et tous comparaissent devant un tribunal imaginaire, et finalement, il suspend son jugement en tant que moraliste, Grossman, comme Lévy l'avait fait pour les Judenrat dans les ghettos polonais. En disant qu'on ne peut pas juger parce que nous n'étions pas dans cette situation. Et c'est vrai que Grossman, bien qu'écrivain persécuté, n'a jamais finalement. Oh, il aurait peut-être été arrêté si Staline n'était pas mort le 5 mars 1953, parce que il était. Moi, j'ai vu les procès-verbaux des interrogatoires des membres du comité juif antifasciste. Son nom apparaît très souvent. Donc peut-être qu'en finalement, il aurait été arrêté, mais grâce à la mort de Staline, il n'a pas été arrêté. Donc il est mort. Non pas, enfin, il n'est pas mort au goulag, il est mort dans son livre. Il y a une chose, du reste, tout à fait passionnante dans votre livre, c'est de voir un petit peu tous ces personnages très connus, comme Fadiev, Twardowski, qui sont impliqués dans le destin de Grossman et de ses livres, avec des changements de position et d'attitude régulièrement. Ils sont pour la publication, puis ils sont contre la publication, puis ils s'excusent d'avoir été pour, et puis ils s'excusent d'avoir été contre. Il va même se suicider. Oui, il faut dire, elle se suicide en plus. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant de voir ces personnages qui traversent la vie de Grossman et la vie de l'Union soviétique, de les voir en filigrane de l'œuvre de Grossman qui essaie donc de faire oublier ses livres. Alors après la guerre, il y a un livre que vous avez mentionné qui est « Pour une juste cause », qui est le premier volet du diptyque dont « Vie et destin » est le deuxième. Comment s'est passée la vie de cet ouvrage qui a été commencé, il a commencé à l'écrire à la fin de la guerre? Oui, même pendant la guerre. Pendant la guerre, et c'est très étonnant, j'ai donc vu plusieurs fois avec Françoise Fédor Goubert, qui est son fils adoptif, si on peut dire. Enfin, c'est le fils de sa seconde femme. Il nous a dit qu'il avait quasiment, vers la fin de Pour une juste cause, il avait déjà commencé Vieux Destin. Et ce qui est très étonnant, ça m'a sidéré, c'est qu'en fait, c'est rare de voir un écrivain écrire deux œuvres monumentales avec les mêmes personnages quasiment, le même théâtre d'opération qui est le Stalingrad, la bataille de Stalingrad, avec un regard complètement opposé. C'est-à-dire que Pour une juste cause, c'est vraiment un roman soviétique. À ceci près qu'il ne fait pas vraiment l'éloge de Staline, il fait l'éloge du peuple soviétique, et de voir le revirement complet, c'est-à-dire raconter de nouveau la même histoire, avec des personnages qui ne vont pas toujours jouer exactement le même rôle, mais écrire un roman vraiment anti-soviétique. Et c'est très étonnant parce que c'est presque contemporain. Donc on sent que
dans son esprit, enfin, en même temps, il écrivait, enfin, il a commencé par écrire une œuvre soviétique, quasiment, et puis, à mesure qu'il achevait Pour une juste cause, il commençait Vie et destin avec un regard complètement différent, mais même Pour une juste cause a été victime de persécutions terribles, puisque quand il a donné le manuscrit, on a commencé à dire que c'était très bien, mais que c'était pas possible que le héros principal du livre soit juif, et on lui a demandé, donc j'avais raison de dire que Grossman, c'était quand même son judaïsme qui était au cœur de son œuvre, on lui a demandé de supprimer Strom, le personnage juif. Il a dit que c'était hors de question. Et là, il a résisté pendant 5 ans. À chaque fois qu'on a fabriqué des épreuves, qu'il a remanié son livre selon les directives qu'on lui donnait, il a refusé de supprimer le personnage juif. Il a seulement accepté de lui donner un maître non-juif. Et ce maître non-juif, qui a des théories philosophiques, et bien c'est ça qui va causer des grands ennuis à Grossman, parce que ces théories sont peu orthodoxes et peu soviétiques. Donc, de nouveau, on va lui... Je crois que les épreuves ont été composées 5 fois. Et à la fin, d'ailleurs, Grossman a écrit à Staline, et il était déjà, enfin, quasiment au bord du suicide, à ce moment-là, très complètement déprimé. Et finalement, le livre est sorti. Et quand le livre est sorti, c'était étonnant, parce que, d'abord, c'était une sidération parmi les lecteurs. Il y avait des queues dans les bibliothèques pour emprunter le livre qui était sorti dans Novimir. Et des critiques étaient dithyrambiques. Grossman a reçu des lettres d'éloge de ses collègues. Et quelques semaines plus tard, sans doute sur une dénonciation de Goubenov à Staline, est paru dans la Pravda l'article de Goubenov qui désignait Grossman comme ennemi du peuple, et puis quelques jours plus tard, l'article de Margaretha Chaguignan. Donc tout d'un coup, Grossman, encensé, dont l'édition du livre est épuisée en quelques jours, se retrouve quelques semaines plus tard ennemi du peuple. Et c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de quitter Moscou, craignant d'être arrêté, parce qu'on est en pleine campagne anti-cosmopolite, anti-juive. Et donc, il part avec son ami Semyon Lipkin, dans la datcha de Semyon Lipkin, à 150 km de Moscou. Et c'est là, c'était dans ce bled complètement perdu, qu'il va apprendre la mort de Staline et rentrer à Moscou. Et la mort de Staline va changer les choses pour Grossman ? Eh ben non. Non, si. Alors, d'abord, Fadeyev va regretter... mais il va regretter beaucoup de choses, Fadeyev, il va se suicider d'avoir notamment, il avait beaucoup de quoi, c'est donc d'avoir persécuté Grossman, mais le vieil destin va connaître un destin terrible, si je puis dire, c'est que Grossman ne pardonnait pas à Twardowski de s'être repenti d'avoir publié Pour une juste cause. À un moment, Twardowski, qui avait vraiment, s'était battu pour publier Pour une juste cause, avec des hauts et des bas, des revirements, enfin selon les pressions dont il était l'objet, plus ou moins importante. Finalement, il a fait publier. Et puis quand les articles de Goubenov et Chaguignan sont sortis, il s'est repenti d'avoir publié Grossman. Et Grossman ne lui a jamais pardonné. Donc quand Grossman a achevé la première version de Vie et destin, il s'est tourné vers une revue moins prestigieuse que Novimir, qui était Znamia, et il l'a proposé à Kojnevnikov, qui lui a proposé un avaloir, et il ne savait pas qu'il se jetait vraiment littéralement dans la gueule du loup, puisque quand Kojnevnikov a lu ça, il l'a fait lire au comité de rédaction, et ils étaient si horrifiés, mais complètement terrifiés à l'idée d'avoir pu lire ça et d'être arrêtés sur le champ, qu'ils ont été donc transmis le manuscrit Grossman sans l'en avertir au comité central. Oui, parce que Znamia était dans une ligne beaucoup plus dure que Novimir, parce que Novimir est quand même le journal et Twardowski qui a publié Sorgenitsyn. Mais bien sûr, tandis que l'autre voulait surtout vivre bien, voyager, avoir une vie de la nomenclatura, quoi. Donc, et il a tout de suite dénoncé Grossman, et donc il ne lui répondait plus au téléphone, donc il y a eu une espèce de quelques semaines, quelques mois de grand silence, où Grossman était comme un pestiféré, plus personne, enfin on savait que quelque chose se préparait, et un matin, 5 fonctionnaires, des miliciens
on sonnait chez lui et on dit cette chose inouïe qui prouve quand même qu'en Russie, les livres, c'est quelque chose. Ils sont dit, on est venu arrêter un roman. C'était le 15 février, c'est un triste anniversaire. Oui, c'était le 15 février 1960, on est venu arrêter un roman. C'est quand même étonnant. Et donc, c'est la belle-fille de Grossman qui a ouvert la porte. Grossman, qui était déjà assez malade et cardiaque, a fait un malaise cardiaque parce qu'on avait déjà arrêté Buber, le poète Boris Buber, qui avait été exécuté en 1936. Et c'était de nouveau dans l'appartement des Buber qu'on venait arrêter un écrivain. Et donc, Grossman a fait un malaise, mais ils avaient reçu les miliciens, les flics avaient reçu des consignes très strictes, ils n'ont absolument pas touché aux autres manuscrits, ils n'ont pas fait comme on faisait à l'époque de Babel ou de Mandelstam, où on piétinait tout, on déchirait tout, on détruisait tout, ils ont trié et ils s'en sont tenus absolument, ils n'ont pas pris Tout passe, par exemple, qui est un livre terrible. Ils ont pris le manuscrit, enfin tous les états du manuscrit de Vie et Destin, et ils ont emmené Grossman, donc Grossman a cru que c'était son tour, ils l'ont emmené à Novimir pour saisir dans le coffre, à Smalia pour saisir dans le coffre-fort un exemplaire du livre, chez les secrétaires qui avaient tapé le manuscrit, ils ont même pris les rubans encreurs des machines à écrire, et donc le manuscrit, si Grossman n'avait pas été, en fait, s'il n'avait pas su qu'en fait il avait écrit, comme disait Soussloff, une bombe contre l'Union soviétique, le livre aurait disparu à jamais. Seulement, il avait déjà préparé l'avenir de son livre au-delà de sa mort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait confié deux exemplaires à deux personnes et aucune des deux n'était au courant qu'il existait un deuxième exemplaire. Non, c'était un homme qui aurait pu travailler pour les services secrets, il savait. Il était soviétique, Donc, il en a donné un à un ami qui avait fait ses études de chimie, de physique à l'université de Moscou avec lui, qui s'appelait Vyacheslav Loboda. Et puis, il a donné l'autre à Semyon Lipkin, qui à un moment donné, enfin, le manuscrit a transité chez une amie de Grossman qui était infirmière et qui a jeté, on appelait ça, je crois, le manuscrit du placard. Elle avait caché le manuscrit en haut d'une armoire à vêtements. Et pendant très longtemps, les deux, enfin, après la mort de Grossman, après il est mort d'un cancer généralisé, métastasé, le manuscrit est resté de longues années. Et chez Loboda, c'est toute une histoire, alors, à la disposition de Lipkin, qui est le premier qui, au bout d'un moment, s'est dit, il faut que je fasse, parce qu'il était âgé, il était quand même l'ami le plus proche de Grossman, il a fait plusieurs tentatives avant que ça réussisse, il a fait sa première tentative de faire passer Vie et Destin à l'Occident. Oui. Donc il a confié le manuscrit, il a approché Voynovitch, qui était un écrivain qui lui-même avait sorti un livre en Occident. Oui, et il savait très, enfin, Voynovitch avait des relations et Grossman n'en avait pas. Par exemple, Pasternak, je parlais de Pasternak quand il a donné son livre, il avait des relations avec les journalistes à Moscou, enfin il était plus mondain. Tandis que Grossman était sauvage, il n'était pas commode, il avait un caractère... un peu irascible, et en plus il connaissait personne, donc il a confié ses deux manuscrits, et donc un matin, ils habitaient rue des Govaya, dans une petite cité d'artistes et d'écrivains qui avait été construite par des prisonniers de guerre allemands à Moscou, alors c'était très luxueux pour l'époque, puisque c'était des appartements individuels, pas des communalcas, avec des salles de bain. C'était déjà les trois pièces. Madame Grossman vivait dans un trois pièces avec salle de bain. C'était quand même pas n'importe quoi. Et donc un jour, Lipkin a abordé Voynovitch Rubegovaya et lui a dit j'ai quelque chose, c'est très important. Enfin, tout de suite, Voynovitch a compris de quoi il s'agissait. Il lui a dit Grossman, très bien, je veux bien m'en occuper. Donc il a fait faire des microfilms avec la collaboration d'Elena Bonheur et d'André Sakharov. Ça a été fait de manière extrêmement artisanale et émouvante, en somme, sur une chaise avec deux petites lampiottes et de l'appareil de photo ficelé sur une tige de bois au-dessus de la chaise et développé dans la salle de bain d'Elena Sakharov.
Et donc, Voinovitch avait passé cette première tentative en Allemagne, et il y avait donc des refus de l'émigration. Ça n'a intéressé personne, en fait. À l'époque, Grossman n'intéressait personne. Il y a des courts extraits qui sont parus en France, mal choisis, et c'est tout. Personne n'a même remarqué qu'un extrait de Vieux Destin était paru. Donc il y a eu de nous, il s'est passé 5 ans comme ça, où personne ne s'intéressait à ça. Et plus tard, Lipkin a fait une deuxième tentative auprès de Voinovitch. Et depuis, à ce moment-là, le Tanislav s'était beaucoup développé. Et il y avait des spécialistes. D'abord, c'était le microfilm des Sakharov était de très mauvaise qualité. Et donc, ça s'était bien développé. Il y avait un type qui était spécialiste et qui faisait ça à la chaîne. Et donc, Voinovitch lui a remis de nouveau le manuscrit. Il a repris le manuscrit et il l'a confié à ce type qui a donc fait de nouveaux microfilms. Et là, il a organisé, Voinovitch, le passage de la façon suivante. Il a confié les microfilms à une dame qui était une slaviste distinguée qui venait très souvent à Moscou, qui s'appelle Marie Ziegler. Et il lui a dit, c'est une affaire de vie ou de mort, tu ne dois jamais te séparer de ce manuscrit. C'est quelque chose de très très important, c'est un des plus grands écrivains soviétiques russes. Et donc, elle l'a donné à l'attaché culturel d'Autriche qui s'appelait Matte, je crois, si je ne me trompe pas, lequel a passé sans difficulté les microfilms, puisqu'on n'était pas fouillé, il a amené ça sur lui, d'ailleurs, il le raconte dans un film, un documentaire allemand, il a emmené ça sur lui dans son veston, et Anne-Marie Ziegler a récupéré ça à Vienne, et là, elle a appelé Efim Etkin, qui était professeur à la Sorbonne, qui avait donc été expulsé de l'Union soviétique, et elle lui a dit, monsieur Etkin, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est ce qu'il raconte aussi dans une interview. Et donc, elle est venue lui apporter, il a dit que c'était dans une petite boîte qui ressemblait à une boîte de chocolat ou de bonbons, qu'il a ouvert la boîte, qu'il a déroulé le microfilm et qu'il était stupéfait. Il a vu Vassili Grossman, Vieux Destin. Et donc, il a appelé immédiatement... Vladimir Dmitrievitch. Voilà, Dmitrievitch, en lui disant, j'ai une chose extraordinaire. Et donc, ils ont trouvé une machine pour lire les films. Et donc, ils se sont enfermés. Markish, alors c'est Simon Markish, et qui s'est enfermé avec Dmitrievitch pendant presque 6 mois pour retranscrire ce manuscrit dans lequel il manquait des pages. C'est pas... Donc, ce manuscrit est sorti en russe en 1980 en France, d'abord en russe, et c'était pas, finalement, ça m'a découvert plus tard, que ce n'était pas l'édition, enfin le manuscrit définitif sur lequel Grossman avait mis une dédicace à sa mère et avait mis un bon tiré. Mais ça, c'était plus tard. On a finalement retrouvé le manuscrit d'Oboda. Le manuscrit d'Oboda, qui avait passé 20 ans dans un sac de pommes de terre artisan, qui est plus complète et sous le plancher dans une espèce de maison. Une maisonnette en bois misérable. Et quand on a commencé à parler de Grossman à l'étranger, Madame Loboda, la veuve de Loboda, a rapporté le manuscrit à Madame Boubert, à la veuve de Vassili Grossman. Et là, on s'est aperçu que c'était le manuscrit définitif comportant toutes les corrections. Et c'est, donc, il y a eu une deuxième édition de Vieux Destin comportant toutes les. Et surtout la dédicace à sa mère. En quelques mots, en quoi le Vieux Destin est un livre exceptionnel? Voilà, ça c'est une question que je ne sais pas. C'est au lecteur de dire, moi, je ne sais pas, bien sûr, si je ne pensais pas, je n'aurais pas passé 5 ans de ma vie, 10 heures par jour, à écrire la biographie de Vassili Grossman. Je dois dire que c'est lui qui a écrit peut-être les pages les plus étonnantes et sur la guerre et sur l'extermination des Juifs. Je dois dire que c'est vraiment ce qu'il a écrit ce passage incroyable. Rien que ces pages-là, enfin ces pages extraordinaires sur l'arrestation de la doctoresse Sofia Ovsipovna avec le petit garçon qu'elle ramasse dans la foule, dans la cohue qui court vers la chambre à gaz sous le fouet des SS, et la mort de cet enfant qui voit en train de mourir et qui voit dans le judas l'œil du SS qui surveille la mise à mort.
C'est tout à fait étonnant. Enfin, c'est un des... Rien que d'en parler, j'ai des frissons jusque dans la racine des cheveux. C'est vraiment, je crois, un des plus grands livres. Je suis sûre que Pied d'Estaing est un des plus grands livres de ce siècle. Non seulement dans sa thématique, mais aussi dans la manière dont il est écrit. Oui, et en plus, ce que je trouve magnifique, c'est qu'il n'y a aucun effet de style. C'est d'un classicisme, mais d'une limpidité, et c'est bouleversant. Donc très puissant. Très puissant, et c'est pas, si vous voulez, un jongleur. Il fait aucun effet de style. C'est vraiment tout dans la densité de ce qui est dit, dans la sincérité extraordinaire aussi. C'est rare, un écrivain aussi sincère. On va peut-être justement donner la parole au lecteur. Est-ce qu'il y a parmi les personnes présentes des questions? Aïcha, peut-être que tu voulais poser des questions? Non? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Oui? Moi, je voulais faire une remarque relative à l'anniversaire de la bataille de Stalingrad. Oui. Il y a eu tout un débat qui s'est engagé le jour dernier en Russie sur la question de savoir si on n'allait pas rebaptiser Volgograd en Stalingrad. Pour quelques jours. Alors, apparemment, on s'y mettrait à quelques jours, mais je pense que c'est bien ça. Oui, oui. Je ne sais pas, quelle conclusion en tirer? Est-ce que ça vous inspire quelques remarques? Non, pas particulièrement. Parce que je sais que tout le monde le sait, mais enfin, vous savez que dans le mémorial de la bataille de Stalingrad, à Volgograd, il y a un extrait. Il y a une phrase de Grossman qui court le long de la coupole, sauf qu'il n'y a pas son dos. Oui, il y a le nom de tous les héros tombés, il y a c'est une image gigantesque, et puis il y a le texte de Grossman en lettres d'or, mais sans le nom de l'auteur. Un peu comme les nazis faisaient avec Heine, qui n'avaient pas supprimé les poèmes de Heine, parce que ça faisait partie de la mémoire collective de l'Allemagne, et qui mettait auteur inconnu. Françoise, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce travail auquel vous avez participé? Non, le travail, j'ai rien à dire, c'est plutôt sur Stalingrad. C'est vrai que le problème de la mémoire est un enjeu fondamental en Russie, vu ces revirements incessants. Il y avait une blague qui circulait au moment de la perestroïka en disant « notre passé est imprévisible ». Parce que on l'aurait écrit sans cesse, mais on ne sait plus demander. Et c'est vrai que... C'est joli. Moi, je ne suis pas russe, donc j'ai un côté totalement extérieur, évidemment, par exemple, au mot Stalingrad. Mais on en est arrivé en Russie à des absurdités, comme par exemple, autour du monument, enfin, de la flamme du soldat inconnu, qui est donc contre le Kremlin, il y a le nom de tous les villes héros, toutes les villes qui se sont particulièrement distinguées, et vous avez marqué Volgograd, ce qui est absurde, on ne s'est pas battu pour et à Volgograd. Donc, peut-être mettre Stalingrad quand il s'agit de la bataille, il me semble que ça s'est justifié. Vous savez qu'à Radio Moscou, on a invoqué en faveur de cette redéfinition, n'est-ce pas, de la ville comme Stalingrad, on a invoqué le fait que le métro parisien comportait une station. Oui, parce que c'est la bataille. C'est la bataille. C'est la bataille de Stalingrad. Il y avait une autre question. Il y a une table. C'est la vérité historique, ça s'appelait Stalingrad. S'il vous plaît, madame, vous avez parlé tout à l'heure de version pro-soviétique. Au moment où c'était publié, c'était quelle version? Oui, là, il est loin. C'était Pour une juste cause, le premier volume. Mais c'est vrai qu'on lui avait demandé, j'ai pas bien pu d'ailleurs élucider la chose, on lui avait demandé d'écrire un chapitre sur Staline. Simon Marquis, je dis qu'il ne l'a pas écrit. Dans l'édition
tel que l'a publié Dmitrievitch, parce qu'il a publié pour une juste cause également, le chapitre sur Staline n'apparaît pas. On peut comprendre que Staline a eu d'emmener Grossman parce que c'est toujours le peuple est immortel, le peuple soviétique qui gagne la guerre, et ce n'est pas le grand stratège qui gagne la guerre et qui mène les opérations. Quant au Stalingrad, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense comme événement historique, si on enlève Stalingrad, cette bataille, elle peut faire quelque chose. Vous êtes pour quoi? Pour la vérité historique, Stalingrad, bien évidemment. C'est l'histoire. C'est comme si on disait, je ne sais pas, qu'on n'appelle plus Majdanek parce que c'est à Lublin. Le camp s'appelait Majdanek, il est à Lublin et on appelle le camp Majdanek. Comme Auschwitz, on ne dit pas Auschwitzim, on dit Auschwitz. Oui. Vous avez une autre question? Est-ce que vous avez vu le film que les Russes ont fait maintenant sur vie et destin et qui a été projeté à la télévision russe? Je sais, son fils adoptif, Fedor, on a parler, enfin m'a envoyé un mail pour me dire ça, il m'a aussi parlé de ce qui s'était passé en Angleterre. Il y a eu des millions de gens qui ont écouté la lecture de Vie et Destin sur la BBC, et moi je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu. Comment c'est? Enfin, moyen. Moyen, comme une série. Mais est-ce qu'on voit Grossman? Est-ce qu'on voit Grossman? Non. J'ai eu des échos. On voit beaucoup la bataille de Stalingrad, mais... Bon, les Russes savent très bien reconstituer des batailles. Nous allons devoir conclure. Je vous conseille vivement la lecture de cette biographie que vous pourrez trouver à la librairie du Globe. Je suis sûre que Myriam Anisimov sera ravie de vous faire une dédicace et remercions-la ensemble de ce magnifique travail d'être venue vous le présenter aujourd'hui.